Les principales responsabilités du technologue en transformation du bois sont de s'assurer du bon déroulement de chacune des étapes du procédé, de la bille, aller jusqu'à la planche de produit fini. Il y a aussi de s'assurer qu'on respecte la norme dans chacun des produits et qu'on s'assure d'aller maximiser la valeur de chacune des pièces tout au long de chacune des étapes du procédé. Les principales tâches sont le suivi des optimiseurs, les prises de mesures au niveau des planches et aussi de toujours améliorer les méthodes de travail qui peuvent améliorer le procédé ou encore la productivité de l'usine. La distribution du temps est considérée environ à 70% en usine. Le 30% qui reste, c'est un travail de bureau dans des analyses de données ou encore dans la cour extérieure pour vérifier la conformité du produit. Ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. On est toujours confronté à des nouveaux défis. C'est vraiment challengeant jour après jour. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que notre travail peut apporter des résultats concrets. Puis c'est visuel sur le terrain. Les qualités qui sont recherchées, là, c'est important d'avoir le souci du détail parce que chacune de nos actions peut avoir beaucoup d'impact. C'est important aussi d'être débrouillard, faire preuve d'initiative, puis être capable de travailler en équipe parce que le résultat et la force qui en résulte, ben, c'est pas juste une personne, c'est un groupe. Au niveau du marché du travail, il y a plein d'opportunités. C'est un placement garanti à 100%. Beaucoup de jobs qui sont disponibles et qui le seront dans un marché très dynamique. Au niveau des placements, ben, ça amène des opportunités de progression dans des postes de superviseur, d'opération, d'entretien, de surintendant, des postes de direction même. Ça ouvre beaucoup de possibilités.